Good morgen, allez, Yiden, les sutres aujourd'hui de l'Onishmat Chaya Esther Bat Myriam, ainsi que l'Irfouat Olivier, Israël Shimon Ben Chaya Esther, Chamchet Myriam Bat Roselena, et Binyamin Ben Chabiba, Betor Shachol Israël. Si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous situons Masechet Erovin, Perek Bet, Mishnah Vav. Amar Rabbi Lai, Shamati mi Rabbi Eliezer, Ve'afil ui kebet kor, Ve'chen Shamati mi menu, Anche Chatser, Sheshachach Echad Me'em, Ve'lo Erev, Beito asur milehachnis ou milehotzilo, aval lahem mutar. Vechen jamati mimenu sheyotzin beakrevanim bepesach. Vechizardi al kol talmida vu bikashti li chaver velo matzati. On continue notre Mishnah avec. Elle s'ouvre directement avec le sujet de la Mishnah précédente, de la Mishnah He, qui a un nouvel avis par rapport au Betzaataim, au Karpaf. Karpef, Gina. C'est-à-dire. Et du coup. D'abord, je présente d'abord vite fait la Mishnah. Du coup, Rabbi Ilai va te rapporter un témoignage d'une chose qu'elle avait entendue de Rabbi Eliezer. Et encore même sur d'autres halachot où il y avait Rabbi Eliezer qui avait un avis assez différent de tout le monde. Et il est parti voir tous les talmidim de Rabbi Eliezer. Et personne n'a été capable de lui valider qu'effectivement Rabbi Eliezer pensait de la sorte. D'accord? C'est la fin de la Mishnah qui va venir, Chazorti al kol talmidav, je suis parti voir tous ces élèves, tous ces disciples, ou Bikashti li chaver, j'ai demandé voir, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pensait, qui avait entendu la même chose que moi, que j'avais entendu. Bikashti li chaver, j'ai demandé ce qui voulait être mon ami. Ça veut dire ce qu'ils étaient de mon avis sur ce qu'on avait entendu. Mais le Masati, et je ne trouvais personne. C'est quoi les trois cas? Alors le premier, c'est par rapport au Karpef. Vous vous rappelez le sujet qu'on évoquait hier, à propos d'un enclos fermé, ou qui n'est pas utilisé pour une habitation humaine normale, mais plutôt de stockage. À partir de, donc au-delà de Beit Sa'ataïm, au-delà d'une distance de Beit Sa'ataïm, l'équivalent de 50 amas sur 100 amas, 5000 amas carrés, 70 amas sur 70 amas si vous préférez, avec un peu des poussières, au-delà de cette distance, alors, c'est d'après tous les avis qu'on avait jusqu'à maintenant, on ne peut plus porter dans cet enclos, parce que si ce n'est pas une habitation humaine, Rami m'a interdit de porter. Vient Rabbi Ilai et me dit, ben tu sais quoi, moi j'ai entendu au nom de Rabbi Eliezer que c'était pas comme ça. Amar Rabbi Ilai, il a dit Rabbi Ilai, Shamati, j'ai entendu mais Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer, la filoui ke bet kor, même si l'enclos il a une taille de bet kor. Bet kor, un corps c'est Shloshim CA. Donc ça va être l'équivalent de 15 fois plus grand. Le Tifat Israël a fait le calcul, il nous rapporte 273 amas sur 273 amas, et un peu, et des poussières. Hein. Toujours, je dis à peu près quoi. Presque 274 amas sur 274 amas, un enclos gigantesque. Même ça, c'est permis de porter, même si c'est pas utilisé pour des habitations humaines, tu as mis dedans des légumes à pousser. Un potager. Alors quoi? Alors, d'où la question, une petite question, alors quoi? L'alaha de Karpaf, elle n'existe pas du tout. Sur ça, il rapporte, je crois que c'est le Melchat Shlomo, je sais plus c'est qui que j'ai lu, je crois que c'est le Melchat Shlomo qui rapporte qu'en fait... Ou soit lui, soit le Tifret Israël, je ne sais plus. Ce qui me dit non, qui dit que l'alaha du Karpaf, vous savez où elle a été dite? Uniquement dans une bik'a, dans une vallée où les barrières ne sont pas bien alignées, bien droites. Donc du coup, on a du mal à se repérer, là, ça monte et ça redescend. Et puis, pour réaliser qu'il y a une barrière, il faudrait peut-être faire un vol d'oiseau au-dessus pour remarquer qu'en fait, l'endroit, il est encerclé. Alors un endroit qui est encerclé comme ça, où on ne voit pas bien les barrières... Alors là, ça a été dit, l'alaha de Beit Sa'ataïm. Mais lorsque tu fais un enclos bien net, avec des murs bien droits, on voit bien que c'est un enclos, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune limite. Ça, c'est la première alaha de Rabbi Eliezer. Deuxième alaha qui est encore liée au Ilchot Eruvin, mais cette fois-ci avec une alaha qu'on verra plus tard dans le Perek Hadar, ça correspond au cinquième ou sixième Perek. Une alaha particulière, en fait. C'est une alaha en rapport avec l'Eruvé Chatzerot. D'abord, je traduis. Vechen Shamati Memenu aussi, j'ai entendu de Rabbi Eliezer. Anche Chatser, des cohabitants dans une cour, Sheshachach Echad Mehem Velo Erev, que l'un d'entre eux a oublié et n'a pas participé avec le Eruv. Alors, Beito Asur Milachnis ou Mileotzilo, sa maison devient interdite pour que lui puisse sortir d'elle ou de faire entrer des choses dans sa maison. Par contre, Avallahem, mais pour eux, Moutard. Eux, ils auront droit. J'explique très succinctement, on aura l'occasion de bien étudier tout ça plus tard, Bezrat Hashem. Mais moi, je ne suis pas encore assez armé, dans la Fayoumi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, pour le moment, je dis juste ce que je connais. Mais ça se passe comme ça. Lorsqu'on fait un Eruv Chatser, le principe d'abord,
Lorsqu'on a une cour en cohabitation, on est plusieurs, imaginons, on est deux, vous et moi, on habite ensemble, on a chacun sa maison, mais on a une cour associée, en association, en cohabitation. Alors, Chachamim ont fait un décret qu'on n'a pas le droit de porter dans la cour. Imaginons, on est trois, en fait, d'accord? Comme ça, ce sera encore plus facile pour expliquer la Mishnah. On est trois, chacun a sa maison qui donne sur la cour, on a une cour ensuite, le Shoutaf, d'accord? Et donc maintenant, Chachamim ont fait un décret, Shlomo HaMelech, c'est lui qui a décrété, il a dit, on ne porte pas des maisons jusqu'à la cour. Pourquoi? Parce que la cour, puisqu'elle appartient, elle a plus de propriétaires que la maison personnelle, il s'avère que d'une certaine manière, tu passes d'un domaine très privé à un domaine un peu moins privé, un peu plus public. Ça ressemble à la portée du Reshut HaYechid et du Reshut HaRabim. Shlomo HaMelech, il a fait un décret, il a Tikkan Eruvin, qu'il faut faire les Eruvé Chatzerot, il faut s'associer. Si tu ne t'associes pas, tu ne portes pas, parce que sinon, demain, tu atteins ta portée du domaine privé au domaine public. D'accord? Pour s'associer, comment on fait? On va faire des actes symboliques, en s'associant, en donnant chacun à manger, en participant, de manière à ce que maintenant, on va faire un geste symbolique qui va faire que maintenant, regardez, on est devenus tous une très grande maison, tous les trois. D'accord? C'est le principe du Hérouv. La rêve, l'état rêve, se mélanger. On se mélange, on est devenu une très grande maison. Certes, chacun sa petite chambre pour aller dormir, d'accord? Je vais pas aller dormir sur ton lit, toi sur le mien. Mais quand même, tant bien que mal, on est devenu maintenant une très grande maison. C'est le principe du Hérouv. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il faut que chacun y participe dans l'Hérouv, chacun doit apporter son bout de pain. S'il y en a un qui a oublié d'apporter le pain, il n'a pas participé avec les autres. Lui, il va interdire sur tout le monde. Parce que maintenant, il a une part. Il s'avère que j'ai une part dans la... Imaginez que c'est moi qui n'ai pas apporté mon pain. Vous êtes tous les deux, vous avez apporté votre pain, vous avez fait le rouvre, mais moi, je ne suis pas là. Et dans la cour, il y a aussi ma part qui est là. Et si moi, ma part, elle n'a pas été acquise, je voulais pas, c'est-à-dire, je ne me suis pas associé avec vous en vous donnant un droit, en faisant que ma cour, ça devienne la vôtre aussi, et bien, il s'avère que dans cette cour-là, il y a une part, il y a ma propriété qui est là, qui vous empêche de porter pendant Shabbat. Il y a une solution maintenant, même pendant Shabbat. Ça va te faire un hérouf, mais c'est que j'annule ma propriété. Bitoul reshut. J'annule ma propriété. On expliquera exactement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de FKR quelque part? C'est une sorte que moi, j'ai plus de. Je renonce à mon droit de marcher, à mon droit d'être propriétaire ici. C'est plus le mien, je vous cède quelque part. Je vous cède pour le Shabbat, la cour à vous. Moi, je suis plus là. C'est comme si j'ai annulé j'étais mafkir mon endroit. Donc je vous cède pendant Shabbat, j'annule ma propriété. Il s'avère que maintenant, vous avez le droit de porter. Maintenant, moi, c'est vrai que je n'ai pas le droit de porter en tant que propriétaire, parce que je suis plus propriétaire. Mais maintenant, vous pouvez m'inviter chez vous. Donc j'ai le droit de porter finalement. J'ai le droit de porter, mais plus en tant que propriétaire. Donc dans la cour, on aura le droit de porter, parce que c'est devenu la vôtre et plus la mienne, mais moi je suis invité chez vous. La question maintenant, c'est les ustensiles, les choses. Est-ce que vous avez le droit aussi de porter depuis ma maison jusqu'à dans la cour? Moi, je n'ai pas le droit de porter depuis ma maison à la cour, parce que moi, je n'existe plus. Mais est-ce que vous avez le droit de prendre des affaires qui sont dans ma maison et de les porter dans la cour? D'accord? C'est sur ça qu'il y a une discussion. Il y a un Melechet Shlomo très intéressant qui explique qu'en réalité, il n'y a pas de discussion sur les fondements. Que si concrètement, je vous ai même cédé ma maison, vous pourrez aussi utiliser ma maison, au même titre que je peux vous céder ma part de la cour. La question, elle est juste quand je vous ai cédé la cour, est-ce que tacitement, je vous ai aussi cédé ma part dans la maison ou pas? D'accord? Comme ça, le Tifrat Melechet Shlomo, il explique en se fondant sur le Yerushalmi. Celle-là, elle a dit la petite discussion. Selon Rabbi Eliezer, je vous cède tout. Donc vous avez le droit maintenant de rentrer chez moi. Si vous avez besoin, imaginez, j'ai un objet qui vous intéresse à avoir chez vous, vous pouvez venir le chercher, le prendre. Moi, je n'aurai pas le droit de le sortir, mais vous avez le droit de venir le prendre. Rabbim nous dit, non, la maison, tu n'as pas le droit. Tu as cédé que ta part dans la cour, mais pas ta part dans la maison. Ça, c'était le deuxième sujet. Le troisième sujet qu'il a dit aussi, que Rabbi Ilaï témoigne qu'il a reçu de Rabbi Eliezer, c'était quoi? C'était Vechen Shamati Mimino. Aussi, j'ai entendu de lui, de Rabbi Eliezer, Shiotzin Bakrevanin Bepesach. On a le droit à Pesach de manger le maror en mangeant des akrevanim. Akrevanim, ça vient du mot akrav. Akrav, c'est un scorpion. En fait, c'est une plante qui est apparemment très, fripé, je sais pas, ça ressemble à un crabe, ça ressemble à un scorpion. Regardez un scorpion, mais imaginez, c'est une forme de végétal qui a cette même allure. Concrètement, le Bartonnerie apporte que c'est une sorte de végétal qui pousse autour des palmiers. Et en tout cas, vient Rabbi Ilaï et témoigne qu'il a reçu de Rabbi, qu'il a entendu de Rabbi Eliezer, on avait le droit aussi de manger
ce végétal-là à Pessah en guise de maror. Alors que le maror, on connaît dans Maseret Pesachim qu'on a juste 5 types de maror, et bien lui, il en rejette un qui est le akrivanim. Et Vechazarti al-Kol Talmidav, et je suis parti voir tous les disciples de Rabbi Eliezer, quand Rabbi Eliezer et les Niftar, je suis parti tous les voir. Est-ce que vous avez vous rappelez qu'il avait dit ça une fois, le Rav? Au Bikashti les Chavers, j'ai demandé est-ce que j'avais un ami, est-ce que j'avais quelqu'un qui attestait avoir entendu comme moi. Velo Matsati, j'ai trouvé personne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Etzlafa, comme tout, c'est là.